moi chez vous, c'est elle qui fournisseur. Oui, c'est elle qui s'occupe de ça. J'écoute. Ici. Non. Au lieu que ça soit elle, vous pourrez le faire après, je pense. Elle est en train de préparer les biberons. Oui, vous allez pouvoir faire nos webis après ça. Oui, je pense que vous allez pouvoir faire une après. Oui, c'est le prochain, si vous voulez l'en faire, parce qu'on va. Elle vient de commencer, là, ça tourne. Oui, après. Va falloir. Ça, c'est une femelle veuve musquée, en fait, les chauffeurs de train l'ont vu naître, mais après ça, ils ont vu la mère qui était partie, qui a laissé tout ça à son petit là, puis elle n'a même pas nettoyé, il y avait encore la placenta, tout ça. Donc, les autres chauffeurs de train l'avaient vu aussi encore tout seul, sans mère, donc l'équipe de santé animale sont allés voir. Ils ont entendu un petit moment, puis finalement, la mère n'en revenait pas. Ils se rendent occupés parce que pour petit, il n'était pas nettoyé, il n'y avait pas de rien. Donc, c'est probablement ce qu'on pense, c'est que la mère, c'était une jeune femelle, c'était son premier petit, puis probablement qu'elle avait passé d'hormones pour avoir resté une maternité. C'est ça, Donc, à ce moment-là, elle a juste parti avec le troupeau et laissé son petit. Elle n'a pas compris que. Elle est quand même assez vulnérable, là. Il y a quand même des choses toutes, là. Pour moi, ça fait penser un peu de la laine. Oui, vraiment. Ben, en fait, c'est plus chaud que la laine comme ça. Encore, ça s'appelle la kibyut. Les Autochtones, les Inuits, là, ils prenaient cette chose-là pendant la période de nuit, là, pour faire C'est ça qui était le laine, eux autres, des Autochtones. Exactement. C'est là qu'ils sont plus en nord. Il a déjà fini? Ben oui. Hey, il donne des coups dans le paquet. Je pensais qu'il voulait juste faire. Mais non, il y en veut d'autres, lui. Moi, je donne pas de lait. Une fois qu'ils sont partis. C'est bon, là. Il fait le tour. Voyons, il y a Il changeait de ça, ce petit Moses. C'est ça que je lui dis à lui, mais t'as